Bonjour, bienvenue sur Allo Finance pour faire le point sur les statistiques européennes qui ont été publiées dans la matinée. Alors, on commence avec l'activité du secteur privé en France qui a fortement ralenti au mois de juin pour atteindre son rythme le plus faible depuis 8 mois. Alors, l'indice PMI provisoire a donc dégringolé de 5 points au mois de juin pour tomber à 55,4 contre 60,3 au mois de mai. Après un premier trimestre qui avait démarré sur les chapeaux de roue en France, l'indice PMI provisoire de juin indique une perte d'élan considérable de la croissance à la fin du deuxième trimestre. Le ralentissement de l'activité du secteur privé a été généralisé dans l'Hexagone, avec un indice PMI manufacturier et celui des services qui se sont tous les deux rapprochés du seuil des 50 points qui sépare donc l'expansion de la contraction de l'activité économique. L'indice PMI manufacturier a donc chuté à 52,5 au mois de juin, alors que les économistes l'attendaient en moyenne à 54 points et il s'était établi à 54,9 au mois de mai. L'indice PMI des services a reculé encore plus fortement à 56,7 contre 62,5 en mai, alors qu'il était attendu en légère baisse à 61,1. On constate le même ralentissement de l'activité en zone euro avec un PMI manufacturier provisoire pour le mois de juin qui est ressorti à 52 contre 54,2 le mois dernier et un consensus qui tablait sur un repli moins prononcé à 53,7. Le PMI des services toujours en zone euro s'est inscrit à 54,2. Là encore décevant puisqu'on s'attendait à un PMI à 55,5 en légère baisse par rapport au mois de mai où l'indice s'était établi à 56. Donc là encore une chute de pratiquement 2 points dans le secteur des services. En Allemagne, la locomotive donc de l'économie européenne, le PMI des services est ressorti au-delà des attentes en progression à 58,3 contre 56,1 au mois de mai et un consensus de 55,7. En revanche, pour le secteur manufacturier, c'est décevant avec un PMI qui dégringole pour s'inscrire à 54,9 en juin contre 57,7 en mai et un consensus de 56,9. Au final, l'activité du secteur privé en Allemagne ressort pratiquement stable, le dynamisme dans les services contrebalançant le ralentissement de l'activité manufacturière. Au final, le PMI composite pour l'Allemagne ressort à 57,3 au mois de juin contre 57,1 le mois précédent. Voilà pour ce point sur les statistiques. À très bientôt sur Allo Finance.